Que retenez-vous de cette année 2020 marquée par la crise du Covid? L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire, sociale et médicale très importante. Je voudrais vraiment vous remercier l'ensemble des Orlésiens qui avaient su respecter les gestes barrières, avaient su être proches de vos concitoyens pour éviter le développement de l'épidémie. Et je voudrais également remercier l'ensemble des services de la ville qui a su être mobilisés et investis pour vous accompagner pendant ces derniers mois. Quels seront les grands projets de la ville en 2021? Nous allons, dans le premier trimestre, ouvrir la nouvelle crèche qui se situe en face de la place du marché. Une nouvelle crèche qui est ouverte avec le département. Nous allons avoir une poursuite de toute la réhabilitation des écoles. Et nous allons surtout déposer le premier coup de pioche, poser la première pierre d'un grand équipement, quartier Calmette. Pour les collégiens, il est temps maintenant de travailler sur le collège d'Orval. 2021 sera une année où les choses vont commencer à être posées avec le département pour préparer la reconstruction du collège d'Orval. Et nous allons travailler pour ouvrir, pour aménager un superbe parc qui donnera sur la Seine. 2021 sera une date charnière pour travailler sur ce magnifique joyau. 2021 sera également l'année où nous allons débuter le nouveau programme de renouvellement urbain. Le débuter dans sa phase active, nous allons commencer les démolitions. Les quartiers vont avoir un nouveau visage. Pour nos seniors, pour nos aînés, nous avons fini la réhabilitation et l'agrandissement de la résidence pour personnes âgées à côté du parc Georges Méliès. Il nous reste encore à faire vivre les espaces communs. La restauration, puisqu'il y aura un restaurant qui sera ouvert à nos aînés, mais également aux Orlésiens qui voudront y déjeuner. Et le centre médical ouvert aux résidents et aux personnes désirant être soignées à cet endroit-là. Au printemps, le centre médical municipal ouvrira ses portes. L'ensemble des praticiens qui vous accueillent déjà aujourd'hui vous accueilleront dans ce magnifique centre avec un plateau technique exceptionnel. Après de longues années où vous avez eu vos rues qui ont été embouteillées, fin du premier trimestre, vous allez pouvoir utiliser le tram. Mon combat va être maintenant d'obtenir la prolongation jusqu'à l'aéroport d'Orly pour permettre d'accéder au plateau et à l'emploi. Que souhaitez-vous aux Orlésiennes et Orlésiens pour cette nouvelle année? Nous sommes à présent en 2021. Je souhaite vraiment à l'ensemble des Orlésiennes et des Orlésiens tous mes vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit pour vous et pour vos proches plus douce, bien évidemment, que l'année que nous venons de passer. Mais que ça soit surtout une année où nous puissions de nouveau nous rencontrer, où nous puissions ensemble faire la fête, participer à des animations, sortir, aller dans les parcs, aller au restaurant, aller au centre culturel. Alors pour toutes ces raisons, vive 2021! Je vous souhaite une très bonne année. Prenez soin de vous et à très vite. Bonne année 2021. Bonne année 2021. Bonne année 2021.